C'est bon, ouais, c'est bon, bah, t'es fou, toi. T'es fou, toi. Ah, je suis contre vous, je vais vous déchirer la gueule. Non, je rigole. Je l'ai dit et je le répète. Contre, pas d'autres commentaires pour le moment. Nous continuerons d'explorer la piste des négociations diplomatiques. Et là, on commence depuis quoi? Depuis le tout début? Non, bah non. Tout en voie de non, on commence depuis après l'intro, en fait, après les didacticiels, boum, le train, mes couilles, et voilà. Nous travaillons d'arrache-pied avec nos alliés pour fournir aux endroits concernés. Et on est en commando, c'est ça? Ouais. Non, j'ai descendu. On fait ça depuis combien de temps, Hendrix? 5 ans. On a mis en vétéran. Ouais, j'ai descendu, mais dans, vraiment littéralement. Ouais, c'est ça, quand tu descends vers le bas, et c'est plus c'est ça, plus c'est élevé. Ah, il est pire en fait. Non, 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 j'ai mis en seconde classe parce que si vous me dites que vraiment le commando il est vraiment très c'est chaud. Tout. C'est tout. Eh ben là, on est là. Attends, parce que comment j'ai pas une chargeur. Ah putain, c'est ça, eh, bougez pas, vous faites rien. Eh, non, mais sans déconner, vas-y. on dirait que tu vas chercher les œufs de Pâques. Tu sais comment tu cours. Regarde comment je cours. Dans la zone de quarantaine. Ah ouais. Regarde ouais, Wolf. Des mains. De la CIA. Oh. Regarde Wolf, on dirait que je vais chercher les œufs de Pâques. Attends, je suis en train. Ouais. je vois passer devant mon écran. Ce que je pense de la CIA. Ah, c'est chez moi là, non? Peut-être oui. Ils épient toujours, Hendrix. Attends, comment tu fais pour le savoir? Voir les tenues. Ah, c'est vrai qu'on peut modifier les tenues, les gars. Le ouais, mais faut pas trop passer de temps là-dedans, ça sert à rien tout ça. Ouais, ça sert absolument à rien, on est d'accord. Il me semble qu'en plus de ça, je les avais déjà modifiés sur ma précédente tentative. Donc je suis très bien attends, avec. J'ai envie de les tenues. Mais... Par ça, contre, c'est peut-être service des autres. Non, mais par contre, on peut modifier les packs d'armes et ça, c'est intéressant. Oui, c'est vrai, ça peut être intéressant, mais bon, tu me diras, moi je me ben, en fait, je l'ai déjà fait. Putain, je peux même pas tirer. Ah, je l'ai déjà fait. Ah, tu peux même changer le sexe de ton personnage et tout, d'accord, ok, j'ai même pas ça. Est-ce que j'ai l'Argus? Et acheter, il peut marquer quoi? Non, c'est bien. J'ai pas l'Argus, très bien. Donc, je suis obligé de refaire, ça, mais... Cybernoyau. Modifier équipement, ouais, pourquoi pas. C'est quoi les cybernoyaux? C'est... Attends. Ah oui, c'est les trucs, c'est les compétences, là, les machins, là... C'est comment on en met chacun indifférent ou... C'est comme tu veux, t'as, un trophée, t'as un trophée pour en remplir un arbre de compétences au complet. Je te le dis, voilà, si tu veux le faire. Ouais. On a qu'une arme hein, par contre. On a... Ah si, on a deux armes. Oui, on a deux armes. J'ai pas de lanceur. Ah bah je peux pas, j'ai pas de. Bah ouais, d'accord, j'ai pas de kit. Bah ok, j'ai pas de kit. Oh, le locus, comment j'aimerais bien aussi, mais j'ai quoi en ce moment. Bah, après, vous pouvez très bien. Tampon sensoriel. Il y a des trucs tactiques que vous pouvez mettre dans votre équipement à droite des flashs. Bon, faut pas passer 20 ans là-dedans parce que c'est. Ouais, ça mais rien. Attends, parce que. Si, là, ça sert par contre. Ça sert. Mais non, faut y aller, faut jouer. Si, regarde. Regardez où je suis. Là. Voilà, armurerie, tu vas dans une modification d'armes. Et tu vas à côté des grenades tactiques, tu vas dans matériel tactique, juste à côté. Et là, tu peux mettre tampon sensoriel, serviette hygiénique. Mais ça c'était des trucs à toi, oui. J'étais en train de chercher serviette hygiénique, est-ce que t'avais vu là? Je me dis merde, il a vu où ça? Ouais, mais ça c'est ta stratégie, oui, c'est pas mal, mais bon, c'est. Plus on peut pas le débloquer, on a rien encore. Tu vas rien débloquer, on a rien. Ah si, moi j'ai un kit de fabrication. Après toi, ça se trouve si t'as rien, c'est que t'as, ça se trouve tu, enfin, si tu dis que tu arrête l'as de fait, me dire que j'ai pas fini la campagne. Putain. Je finis une campagne et après je vais jouer. Infinity Warfare, c'est pareil. Quand j'ai commencé en multi, j'ai fait vas-y j'arrête. On y va. Ok, bon, bah, je vais mettre tampon sensoriel. Ça m'a l'air pas mal. Juste que je fais ma classe avec ma KN là parce que j'aimerais bien monter. Et par contre, il faut choisir une classe. Il faut choisir une classe et avant d'y aller. Donc faut être sûr de la classe qu'on choisit. Alors en fait, je pense que. Au fur et à mesure de l'histoire, on pourra revenir faire de classe, ouais. Oui, je pense qu'à la fin de chaque mission, on va revenir dans ce coin-là pour. Parce que j'ai pas quitté de trucs et je peux pas essayer de débloquer ou quoi que ce soit. Ça dépend de combien de fois on meurt aussi. Ouais. Allez, vas-y, on y va. Attends, parce que où c'est qu'on choisit les armes pour y aller?
c'est ça surtout quoi. Objet récupéré, coffre de données, on s'en fout. Non, non. Il me semble que c'est registre des missions, mission suivante. Il y a un sac de frappe si vous voulez. Je sais pas où c'est qu'on choisit. Tu peux frapper dans le sac de frappe ? Non. Je sais pas. Oh. Option de classe, rétablir par défaut. Mais c'est nul. Déployer, mission suivante, déployer. Bah, peut-être dans déployer qui va nous demander la classe qu'on veut prendre. Allez, c'est parti. Vous allez recommencer ? Oui, bah oui, je vais la recommencer depuis le début. Vous êtes tous rentrés ou pas ? Oui. Alors là, on doit choisir la classe. Vas-y, bah moi je suis rentré avec. Oh, il y en a qui vient sortir. Optimisation. Ah oui, c'est moi. Ouais, changer cybernéo. Ouais, t'as vu que c'est fait. C'est énorme que je suis là-dedans, moi. Mais c'est bon, bah de toute façon, c'est plus rien. Non, mais on est à l'heure, on est rentré à l'heure. Je sais pas quelle arme prendre. Moi je prends la carte. Moi j'ai pris le pompe. Moi j'ai pris la BRM. Voilà. Et bah voilà. Moi j'aurais hésité avec la BRM. Je sais pas où on est donc. La station classifiée de la CIA ne répond plus. Putain, j'ai oublié de monter le son. Été mise en place après la tragédie de Singapour. T'as oublié ton caleçon ? Et sa fonction. Merde. Non, j'ai oublié de monter le son. Depuis que le mur existe et que les autorités ont demandé. Non, parce que si tu retrouves un string chez toi, c'est peut-être l'endroit a été laissé aux mains d'une importante organisation criminelle, les 54 immortels. Attends, je crois que c'était un long week-end. C'était un long week-end, j'ai pris mes affaires. L'explosion du complexe Coalescence a fait 300 000 morts. Putain, j'ai oublié mes capons. Les projets d'évacuation et de réaménagement ont été abandonnés au moment des super tempêtes. Alors qu'est-ce qu'il y a de si important pour que la CIA nous envoie enquêter ? Les immortels traitent avec le CDP et ses alliés. Trafic d'armes et de technologies. Tu m'étonnes que la CIA... Moi j'avais kiffé la campagne, elle est belle quand même. J'ai bien aimé. En plus, il y a un retour à un moment donné. Un retour en arrière, c'est pas mal. Et par contre, il y a un chauffage de crâne aussi sur la fin. Psychologiquement, tu te sens touché. C'est bizarre. C'est très rare que je fasse un jeu deux fois. Là, on entend le son de tout le monde. De quoi ? Non, on entend le... Il y a un écho, ouais. Passe pas la cinématique, hein. Non, je passe pas la cinématique, par contre je cherche... Quoi, j'ai vu l'autre partie de la cinématique, il m'a passé. Je cherche comment on peut faire pour avoir les sous-titres. Très bien, on ne peut pas. Bon. Je peux pas avoir les sous-titres. Comme ça, non mais c'est bien, comme ça ceux qui regardent ma vidéo, et ben ils verront pas la cinématique. Ils verront le menu start et moi en train de chercher un truc qui n'existe pas. Alors c'est bon de savoir qu'on peut utiliser tous les moyens nécessaires. Super. Et lui aussi a pris la canne, t'as vu ? Quand la tempête sera vraiment là, on aura des rafales de vent à plus de 200 km/h. Ouais, voilà, les rafales de vent, ouais. On tient pas à ce que tu te fasses emporter. D'accord. Kane, on va brouiller les systèmes de communication. Alors c'est bien, j'ai demandé une BRM. Ah si, je l'ai. Bien reçu, Hendrix. Mais va falloir que vous fassiez une escale sur le chemin. Merde, j'avais une arme spéciale. Les immortels ont déjà infiltré la station classifiée. Ils préparent une cargaison sur lesquels... Pourquoi les immortels auraient attaqué un bidonville ? Il devait y avoir quelque chose qu'ils voulaient. Alors, il y a des objets à récupérer, les gars. Si vous tombez dessus, dites-le. Ouais, je pense que tu l'avais trouvé, c'est pour ça que j'ai dit. J'attends la confirmation d'une attaque par drone. En plus, je sais même pas si tu prends un objet, ça prend pour tout le monde ou bien ? Non, ça prend pas pour tout le monde. Compris. On y va. Ça bouge devant. On reste... Les immortels ont une affaire florissante de trafic d'êtres humains. Ils vendent des gens pour tout ce que vous voulez en faire. C'est pour ça qu'ils ont attaqué le bidonville. Qu'est-ce qu'ils attachent à son cou ? Le collier sert à les empêcher de s'enfuir. Buter ce fils de pute. Ah oui, carrément.
Justement, je vais porter. Ah, y'a le robot là, en plein milieu là. Le robot là. Attention, un véhicule technique entre dans la zone. Wow. Ah, mais c'est le bordel hein. Le robot il est sur le conteneur. Oh, mais non, mais je suis déjà par terre. Super. Putain, moi aussi. Bon, Wolf, va falloir que tu nous ranimes. Moi je suis caché. Je suis caché. Attends, parce que je récupère pas de vie moi. Attends, je vais rejoindre. Ah, yes. Je suis trop en fond. Non, non, vas-y. Te mets pas à découvert. Il y a Hendrix, il est juste devant en fait. C'est... Ouais, mais Hendrix il est immortel, on s'en fout. Oh, bâtard. Regarde le robot sur le container là, le salaud là. Ouais, j'étais en train de tirer avec mon arme de pression, mais. Non, non, mais le robot il est indestructible. Oh, une grenade. Oui, mais j'ai vu. Heureusement qu'on a changé. Les explosifs servent à rien. Son blindage est trop épais. Non, j'étais un peu. Comment tu fais déjà pour. Oh. Ah voilà, comme ça. Les gars, j'appuie flèche de droite, je pense que vous voyez tout si vous pouvez. Flèche de droite. Flèche de droite, toi, ça fait un truc rayon, ils sont direct. Je sais pas, un truc bizarre. Ah oui, les compétences spéciales, c'est vrai, j'avais oublié cette connerie. Oh, c'est naze quand même. Ah, y'en a en haut là, une canarde. Le mec est là. Une canarde. Il est là. Ah, bonne idée. Merde. Je t'ai tiré dessus, ouais. Toi, mais genre, là, tu prends un sulfate. Le robot. Bah, allez. Ah allez, dégagez. Les rafales sont violentes. Ah, attendez, faut planter l'ancre. Les rafales avanceront encore plus violentes quand on prendra de la hauteur. Okay. Prépare-toi à planter cette ancre et accueille-toi toutes tes forces. Ouais, visiblement. Pas plus carré. Non, mais c'est pas le temps. Encore déployé. Ok, c'est parti. Merde! J'ai appuyé. D'accord, ok. J'ai appuyé. J'ai juste. Oh là 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 là! Toujours plus quoi! Y'en a beaucoup hein! On va se prendre une bagnole dans la tronche à la fin! On a perdu quelqu'un! Ah bon? Y'a le Tijio! Quoi? Là t'es où? Tu fais quoi? Quoi? Allez, je fais. Toi aussi? Toi aussi t'as pris les dégâts? Ah ouais, vous êtes devant, ouais. On a le feu vert pour l'attaque au drone. On y va. Toi, tu vas te faire téléporter si c'est. Ouais, de toute manière, si on avance trop, ouais, il sera téléporté. Effet négatif, la tempête est trop violente. La tempête ne fait qu'empirer. Et merde. Hey, mais on y va! Hendrix! Moi, j'ai eu un succès. J'ai désingué les types qui étaient en bas. Ok, d'accord. Donc flèche de haut, c'est pour la vision thermique. Non, d'accord, vision... très bien. Ah, attention, là voilà, là les vagues. Vous allez voir, là où je suis, il y a des vagues. Et donc faut utiliser l'encre dès qu'il y a des vagues. Tu suis Didio? Il est où Didio? Bah, je sais pas. Ah, merde. Didio? Je sais pas, je suis dans mon trip moi. Mais t'es où? Ah mais t'es là, viens. Fais gaffe, quand il y a des vagues, faut planter l'angle. Il n'y en a plus pour l'instant. Les vagues arrivent! Utilise ton angle! Les vagues elles arrivent. Sniper, à 3h haut! Ah, pour contre, c'est le moment de les utiliser! Et là, comment tu fais déjà pour. Non, c'est pas ça. Lance micro-missile. D'accord, ok. Oh oh oh, la vague! Ça va. Eh, comment tu ouais fais pour utiliser les. Flèche de gauche ou de droite, je sais plus. Putain! Ah, c'est excellent! Ah! Oh, je suis mort! Je te ramène. Entre les vagues et compagnie là. Wow, j'ai pas de prendre cher. Putain. Oh. Faut utiliser la flèche de gauche. Moi j'arrive pas à faire les trucs spéciaux là. C'est. Ouais non mais ça sert à rien, c'est contre les machines et tout.
Il dit oula, pourquoi ça reporte le... Ok, tu peux aussi passer au-dessus, hein, mais là. Mais pourquoi je peux plus tirer? C'est quoi ces conneries? Ah si. Oui. Wow, grenade! Ah, y'a des gens dedans. Y'a des méchants. Oh! Mais y'en a à gauche! Oh là là, l'armée! On avait le droit de vite. Bon, Hendrix, tu sers à rien. Il est juste là pour la parade. Bon, il doit y avoir des trucs à récupérer par là. On pourra pas rester dans cette zone très longtemps. Je cherche. Alors n'hésitez pas à fouiner un petit peu dans les coins et tout, les endroits un peu improbables. On les voit de moins en moins. Active le mode tactique pour éviter qu'ils nous prennent par surprise. Y'a rien à toi. Par contre c'est con, on se voit pas à travers les murs et tout. Ah, dans les toilettes. Bon, les gars, je suis une petite pause. Ah, oh le con. tu vois, il y avait un truc rouge là. Bah j'ai tiré dessus. Bon, je me suis dit, c'est pas parti du décor ça. Ah ouais, par contre, des fois, il y a des caisses de munitions, les gars, n'hésitez pas. Donc, en fait, c'était pas. D'accord, donc vous êtes déjà en train de canarder là-bas. Bon, par contre, c'est long, on peut pas courir dans l'eau. Bon, moi, je vais arriver après la bataille. On va essayer de monter les niveaux du gun. Oula, oula, oula. Hendrix, t'es en train de te prendre par derrière. Mais il y a eu un coup de poing. Terminé. On a pas le jetpack. Kane, on a atteint la cargaison. Et maintenant, je l'ai pas. Vous allez devoir vous brancher. Je vais me servir de votre IDS pour extraire et effacer les données. Vous pouvez faire ça. À notre base de données. Ah oui, oui, les oui, transmissions oui, sont stockées et traquées. On va avoir un truc là. Ouais. Putain, mais il est complètement bugué mon jeu, c'est pas possible. On aurait peut-être dû chercher avant. Fichier récupéré, supprimé. La tempête s'intensifie. On dirait que ce pétrolier ne va pas tarder à détacher de la ville. Pas à trouver comment tu fais pour changer ce... Je prends le pont supérieur. Toi, celui du dessous. Moi, j'ai pas le jetpack, les gars. Je sais pas si c'est normal. Bon, on doit forcer l'entrée. Je t'ai pas mis en multi ou quoi? En truc de zombie ou quoi? Quoi en truc de zombie? Non, moi je sais qu'en multi et en zombie je joue pas pareil, t'as vu? Les touches ils sont différentes. Ah oh, si. Oula là, ralenti! Merde, je tire sur Hendrix. Eh mon jeu a bugué. Ça va fait téléporter. En fait, ça m'a fait téléporter dans la scène magique. Alors que j'étais avec vous. Tu vas coller dehors. Ouais, salut, pas de chester. Ça va, tranquille. Ça va, ça va. On fait quoi tomber en 3? Le mode campagne. On est en plein live. Un live qui n'est pas en live et qui sera rediffusé. Mais si tu veux nous rejoindre après, y'a pas de soucis. Je vais essayer CrossFit là, je vais télécharger. D'accord, ok, très bien. Donc Machete vient nous faire la petite promo d'un autre jeu. Sympa. Hop. Mais sinon, j'arrive pas à changer ce putain d'équipement. Comment tu fais? Attends, vite fait. Il y a moyen que vous attendez vite fait. Oui, t'as pas les jeux gratuits, CrossFit. Kane, on approche du centre de communication. Didio, vas-y, Didio, avance pas trop parce que. Dépêchez-vous. On vient de signaler que des infos détaillées sur les points faibles. Non mais t'inquiète, je peux suivre. Ont déjà fuité vers le CDP. C'est pas ça. On peut s'attendre. Restez à pied proche de bord et vous allez voir les trucs et vos trucs cybernétiques qui seront activés. Là moi j'ai surcharge de masse, après je peux mettre immolation, essaim aveugle ou neutralisation cinématique. On aurait dû tout recommencer pour vraiment être au fait. Je suis sûr qu'il y a des trucs à trouver là-dedans, c'est pas possible, c'est trop vaste. Mesure d'équipement, merci. Mon Didio, t'es où là? Il est en train de faire l'équipement. Je suis en train de faire l'équipement. D'accord, très bien. Ok, bon, ok. J'éclaire les cibles ennemies. On est juste au bout du coup. Balancer des lucioles. Bon, moi je comprends pas. Didio, tu l'as le jetpack toi? Je sais pas, là je m'en fous.
D'accord. Ok, ça nous attend pas pour faire la fête. Non, je suis tactique. Tac. Ok, d'accord. Oula, il y a le robot. Bon, les robots, ça va, ils sont fins. Mettez-vous en tactique, sans gros. S'il y en a un qui voit un ennemi, tout le monde y voit. À l'étage supérieur. Bon, ça balance des grenades un peu partout. Wow. Ça me trouble un peu cette vue à la con là. Putain, je me suis trompé d'arme. Non, oh putain, j'ai eu en plus! Oh, j'ai eu! Qu'est-ce que tu fais? J'ai renvoyé la grenade. J'ai tapé une unité, j'ai envoyé une grenade pour m'envoyer. Bon, va falloir venir te réanimer. Y'a. C'est quel? C'est pas. Ces connards ont des boucliers anti-émeute! Lance-leur des grenades à fragmentation! Non, non, t'inquiète, on y va comme ça. Oh, vas-y, moi j'ai sur GTA, peut-être à tout à l'heure, les gars. Ouais, à tout à l'heure. Yes, tout à l'heure, j'ai invité, quoi. Ok. Attends, deux secondes. Allez. C'est ici. Quoi, c'est ici? Attends, je regarde parce que je suis sûr qu'on loupe plein de trucs. Bon, c'est pas grave. Et en dessous, Didio, y'a rien ramassé? Je sais pas, j'y suis allé faire un tour. Ah, casque, y'a un casque ici à ramasser. Là, venez, descendez, descends, Wolf. Ah, je l'ai. Là, ici. Ah, ouais, putain, faut vraiment que tu sois tout près des trucs pour le voir. Hein. Ben non, en fait, je suis passé pas loin et y'a un truc qui s'est mis en. Qui s'est mis en surveillance avec carré et. Qu'est-ce que c'est que ce sac? C'est rien, non, c'est pas un sac, c'est une bonbonne. Allez, bon, je pense qu'on est bon. Ça faut tirer dessus, ça. D'accord, voilà. Très bien. Rien d'autre, ok, c'est parti. Alors, qu'est-ce qui se passe? Oula, là, il y a du monde ici. Vous êtes où là, ici? On est monté. On est parti devant et on s'est passé. C'est bon. Allez, tirez l'arbre dessus, c'est un peu plus humide. Ah non, on va prendre le. À gauche. Prends à gauche, vas-y, je prends. Merde, c'est Hendrix, il me fait peur. Je suis là-dedans, il y a des trucs là. En plus, tous les endroits ils se ressemblent, c'est même pas où est-ce qu'il va sortir. On remonte à des trucs qui se repèrent. C'est vrai que c'est vachement plus facile en seconde classe. Hein. Bah, y'a rien à l'étage. Attends. Bah, ouais, parce que j'avais demandé aussi. Bon, y'a rien. Kane, on termine le nettoyage. Oh merde, à couvert. Je suis un chien. Hendrix, tu tires? Non, je l'ai. T'as rien du tout, ouais. T'as un mec qui t'a sorti la BR. Toujours plus, quoi. J'étais sûr que c'était une meuf. Pas pour prendre dans le dos un traître comme ça. Hein. Oh. Vous allez bien derrière? Oh. Agent Kane. Je croyais vous avoir dit de rester en dehors. Vous aviez l'air d'avoir besoin d'aide. Et puis, vous avez fait tellement de bruit que tous les soldats des 54i vont arriver d'une minute à l'autre. Ouais, mais c'est ce qu'on appelle l'aérophagie. Sur l'objectif. Bon. On doit couper leur système de communication avant qu'ils comprennent ce qui se passe. Suivez-moi. Après vous. Oula. Il y avait de l'ambiguïté dans ce regard. C'est verrouillé. Toutes les communications passent par un autre relais. Vous pouvez le localiser? Une petite minute. Je l'ai. Vous devriez pouvoir charger le brouilleur de là-bas. On se retrouve à la station classifiée. Moi, ça me va. On fonce. Ok, donc là il doit y avoir des trucs histoire de faire le ravitaillement ou quoi, peut-être un truc à ramasser. Ok. Pourquoi il tire lui? Si tu casses un truc, c'est payé sur ta facture ou pas? Sûrement.
Ça c'est l'armure immobile, caisse de munitions, très bien. Est-ce que je change d'arme? Non, je suis bien avec la BRM moi. Est-ce que je change de capacité? Oula, est-ce que je change de capote? Moi, j'ai... Bon ben les gars, bon si on essaie de partir après. Ah, ici. Ouais, j'ai renié mon. Et ici, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, il n'y a rien. Et en fait, il était pas là qui fait la risque encore. Toi, Didio, tu passes par le seul endroit où il y a une fenêtre pour la péter. On attaque et on prend tout. Votre IDN fait de vous des disques. C'est ce qu'on appelle de l'infiltration. On transfère toutes les données et après on les construit. C'est le mode discret. Oui, j'allais dire, il y a un mec là, mais non, c'est lui. Elle a été attaquée par le groupe armé le plus actif du secteur. Il n'y a probablement aucun survivant. C'est bizarre ça que t'as pas de jetpack. Hein. Ouais. Mais j'ai combien de fois c'est avec le jetpack? Mais tu l'avais fait toi, Wolf, cette mission ou pas? On l'a pas encore. C'est peut-être ça en fait. Kane, on approche sur les communications. Infinity, on l'a, c'est il est bien protégé. Je sais pas. Mais moi je sais que j'ai l'air. Attends. Ah, j'étais mort le bon. C'est quoi? Oula. Ouais, non, mauvaise idée. Moi je marche pas sur les murs. Moi. Je marche sur les corniches, mais pas sur les murs. Mais au début, dans l'intro, on nous apprend justement à gérer le jetpack et marcher sur les murs et tout. C'est ça que je comprends. Ouais, c'est pas. Pour ça que je trouve que c'est con. Qui est... Non, je sais pas, c'est bizarre. Après, c'est peut-être un bug ou oh, j'en sais rien. Oh, en même temps, mec, je suis. Non, mais je suis passé par Ghost Recon Wildlands, donc moi les bugs ça me fait plus peur. Mais pourquoi y'a que moi à chaque fois qu'il fait avec drinks? Mais on est là, panique pas. Par contre y'a plein de robots, ça c'est pas cool. Bah ouais, ce que j'avais dit. Rien ça. Bon ouais, c'est franchement par rapport en commando, les robots, c'est la piche nette. Putain voilà, faut mettre le truc pour niquer les... Y'a un truc dans le dos, dans notre dos y'a un truc. Ça va péter. Ah ouais. Monde là, ah merde, ah non, moi aussi. Duncan, essaie de venir vers moi. Ouais, je suis bloqué, enfin, je suis dans un cul de sac. Ça va être compliqué là. Vas-y, j'arrive, je suis là. Par contre, je crois qu'en me déplaçant, c'est comme un zombie, je perds plus facilement. Didio, t'es mort? Ah oui, t'es mort. Ouais, mais je te fume quand même, c'est ça qui est marrant. Je savais pas qu'on pouvait les fumer en même temps. Et oh. J'ai appuyé carré. Putain, il est mort. Il est mort. Regarde, il est mort. Bon, et en plus, il a disparu carrément. Didio. Non. Attends. Et hop là, c'est parti, je suis là. Youhou, c'est la teuf. Ah, il est revenu. Regarde, t'étais là. Ouais, t'étais plus là. Allez, occupe-toi de ce relais. Ah, vas-y, je te laisse regarder le relais, moi je regarde. Regarde-moi, t'es mauvais. Occupe-toi de ce relais. Mais t'as pisté qu'il y a plusieurs étages. Communiquer entre eux. Pourquoi il y a plusieurs étages? Bah là, oui, à droite. On est en train de couper les communications. Où êtes-vous? Ici une petite porte. J'ai un visuel sur la station classifiée. Il y a des immortels absolument partout. Ah ouais, il y a des trucs à ramasser là-dedans, je suis sûr. On arrive. Où ici? C'est terminé. Je suis sûr qu'il y a des trucs à ramasser. Je ramasse pas grand chose d'habitude. Bah ouais, mais. Il y a une flèche, Hendrix, faut le suivre, moi je l'aide. La structure est instable, on va laisser crever. Ça peut s'effondrer à tout moment. Mais il va pas crever, c'est un... C'est un bot. Le bâtiment va s'effondrer. Non, on voit rien. Par contre, le bâtiment il va s'effondrer, donc ouais, il faudrait vraiment qu'on se barre là. Moi je suis avec Hendrix. Mais par où? Ouais, là-bas. Ah oui, ok, c'est bon. Gare, faut que tu marches. Tu veux qu'on écrive tué par une tempête sur ta tombe? Pourquoi pas? Tué par une tempête, je sais pas. C'est classe quand même. Tué par une tornade. La foudre s'est abattue sur lui. C'est excellent. Trois fois. Parce qu'une fois c'est pas suffisant. Elle s'est abattue sur lui trois fois. J'aime bien parce qu'il galère à monter et puis toi tu montes tranquille. Ouais, c'est bizarre. Cet endroit tombe en ruine. J'ai du mal à croire. Je suis en mode accroupi, mon arrêt m'a arrêté. Choisir l'équipement. Est-ce que je change d'équipement? Ils sont toujours sur place. Bon, on va tenter. Ils essaient de récupérer tout ce qu'ils peuvent avant la tempête. Bon, qu'est-ce qu'on fait? Mais déjà, tu veux que je te fasse un cours d'échelle? Non, mais. Tuez-les avant que la tempête ne s'en charge. Mais toi, tu sautes avec le jetpack normal. Moi, je l'ai pas. Hein. Ouais, mais je sais pas pourquoi. Sérieux?
Attends, allez, 3, 2, 1, on y va. La tyrolienne. Voilà. Je suis parti. Ouais, moi aussi. On va activer le tactique parce que si je me souviens bien. Voilà. T'es pas méchant. Non, mais nous on va. Ah non, mais mettez. Appuyez sur la droite, vous allez voir plus de pioches, vous allez choquer. Il y a des snipers, il y a des robots. Non, mais derrière nous. Derrière nous. Et Wolf, qu'est-ce que tu fais là-bas? Bah, je sais pas, tu vois, tu regardes. Mais lui, il peut aller plus loin, lui. Putain, il peut sauter encore après. On a pas pu. Merde, Hendrix, ça m'a fait peur. Il est signé à dégâts, fais gaffe. Oh, mais toujours plus. Dégâts, vas-y, je vous couvre. Je vous couvre. Wow. Je vous couvre, mais il s'est fait une foule. Terminator, tu vas pas faire ton malin en temps, moi je te le dis. Ah oui, mais d'accord, c'est un gros. Vas-y. Bah viens. Attends, parce que moi j'en ai un qui est juste en face de moi là. C'est l'objectif, le Terminator. Ah, c'est bon, je l'ai eu. Je l'ai eu. Bah visiblement, par contre... Par contre, je sais pas, il y a un truc là-bas, là, à 109 mètres, c'est quoi ça? 100... Bah faut peut-être aller voir. On voit la station classifiée. Je sais pas, mais quelqu'un qui est marqué qu'il faut aller là-bas, là. Faut aller plus droit, mais... Revenez en arrière, là. Bah peut-être. Moi, je reviens en arrière. Ouais. Vas-y, belle, je vous attends. Moi, non, mais en fait, je pense que c'est la tyrolienne. Spawn. Oula. Oula. Ah. Ah c'est loin, ouais, c'est la tyrolienne, ouais. C'est loin. Pas bien, pas bien. Oh là là, je suis en train de m'éternuer. Bref, y'a rien à trouver par là. Y'a des méchants déjà. Ah, non, mais il a pris la... il a pêché la mitraillette. N'empêche ici, tu t'es stream énormément. Je suis en train de me demander... Voyons un peu à quoi on a affaire ici. Si j'ai pas le jetpack, c'est peut-être parce que du coup j'ai changé la difficulté. Mais normalement, c'est là c'est du régressif, donc a priori je devrais avoir ce que j'ai débloqué à un niveau plus élevé. C'est bizarre. Quoi, vous qu'est-ce qui a fait ce trou ? Quelque chose a fui en vitesse. Kane ? Peut-être les explosions du box des 54. Mais t'es où, Dantin ? Mais je suis là, calmez-vous. Ouais, si ça avait explosé vers l'intérieur. T'es où ? Ah ouais, t'es là. Mais c'est l'inverse. Mais il est en train de parler. C'est normal. Voilà, il fallait qu'il fasse le bonhomme là, devant elle. Ah d'accord, ah putain. Il a juste mis un coup de pompe alors que ça fait 10 minutes on attend là pour écouter ce qu'il dit. Ah ouais, c'est clair, on cisaille le truc avec des petites balles et tout, mais non. Pff, on a fait le grillade là-bas. Bon, moi je cherche un peu. Hein. En fait, quand c'est comme ça, les gars, qu'on arrive dans une pièce qu'on connaît pas, faut qu'on prenne chacun à côté. Bah ouais. Il y a quelque chose droit là. Ah là. Là, venez. Là, ici, là. Ici là où ? Là ici. Ouais mais là où ? Là ! Là, Wolf ! Tu nous tournes autour de ce serveur. Mais là ! Là ! Là ! Ah ouais là ! Là ici. D'accord, là. Mais y'a rien ? Mais t'as pas ramassé ? Si, un enregistrement. Ah, moi je l'ai ramassé, tu vois pas toi ? Moi je vois juste des feuilles de papier là. Je l'ai pris. Je l'ai pris donc du coup il peut peut-être pas prendre. Pourquoi ? Non mais moi je l'ai pris aussi. Ah, oui. Bon par contre c'est en train de tirer peut-être dehors. Que... Peut-être que ouais ou peut-être que j'ai déjà fait la mission et que j'en suis. Ouais mais c'est Hendrix et je. J'aime même ce que ils attendent là tranquille. Et Kane aussi qui est là. Mais oui depuis tout à l'heure. C'est pas le bâtard d'ailleurs. Et déjà tu spoil pas. Vous entendez ? Il y a quelqu'un là-dedans. Il faut qu'on ouvre cette porte. Allez. Inutile d'y aller en force. Parfois, il suffit de frapper. Mais c'est la nana là qui a débarqué tout à l'heure et qu'on snipe, Kane.
Ah ouais, c'est Wellfield. C'est vrai qu'il y a un nom bizarre pour le mur. Bah c'est une salope. Mais arrête de balancer des infos cruciales. On n'en sait rien. Putain de merde. Éteins-moi ce truc. Putain. C'est quoi cette merde, Kane? Je fais une recherche. Le refus de réincarnation. Ah c'est ça, ouais, je suis en train de me dire ça. Pratiqué par Jay Jong. Un homme de main des immortels. Cette méthode d'exécution est réservée à leurs pires ennemis. Effectuée quand la victime est encore en vie. Hein? Faut que le sang soit chaud. Ça sent pas bon. Quoi? Y'a autre chose? Les disques de données. Ils ont disparu. Les vidéos de surveillance, les rapports, les débriefs, tout ce qu'on devait télécharger et effacer. La sextape, tout. Un document d'un site classifié de la CIA. Il fournit un rapport quotidien des activités mondiales de la CIA. Il est diffusé. Allez, vous, ça compromettra les opérations de la CIA dans le monde entier. Que dit le tracker du disque? Les biodômes. Le centre des opérations des 54 immortels, où se trouve la fratrie qui est à leur tête, Gomin et Gogzulan. Allons chercher nos disques pour leur montrer un peu. Je crois pas que les immortels aient tué ces gens. Les portes étaient défoncées de l'intérieur, vous les avez vus comme moi. Ils sont jamais entrés dans cette pièce. Alors qui a réussi d'après vous? Je veux dire, qui d'autre aurait pu y avoir accès? Les dernières opérations enregistrées de cette station impliquaient une unité Black Ops de la Corps. L'équipe de John Taylor. Quoi? Vous croyez qu'ils ont un lien avec ces meurtres? C'est impossible, Kane. Écoutez, je connais Taylor. Il s'en serait jamais pris à son équipe. Donc en fait ça c'est très important ce qu'on vient de voir, mais c'est, je m'en souviens plus. Mais par contre ce serait bien que t'arrêtes de spoiler, Didio. Mais non, mais t'inquiète pas, je te raconte des conneries, évidemment que c'est pas l'issue dramatique du truc, je m'en souviens plus. Non par contre moi je suis toujours convaincu que le délire des zombies, c'est un truc en fait qui a déconné dans le futur et qu'avec une bidouille je sais pas quoi, en fait il y avait un retour dans le passé et que il y a des machines et un virus du coup qui s'est propagé dans le passé. D'où le Panzer par exemple, ouais. Mais t'as regardé les vidéos de Kenshin? Pas du tout. Bah ouais, regardez. Il explique en plus l'histoire. Il a fait deux vidéos de peut-être une vingtaine de minutes. Attends une seconde, parce que je voudrais quand même être sûr. Vous avez quoi? Mission terminée, oui. Errant adepte 3, BRM, vous avez des combien? Attends, moi j'ai récompense, Dracon, réserve d'urgence, et un truc monté en puissance, niveau de défi terminé. KN niveau 5, KN niveau 5, KN... Un gros niveau de quoi, niveau 5.